Eh bien, salut tout le monde, c'est Mimi974 pour une petite, session de jeu amusant. Donc cette session de jeu s'appellera Mario Challenge. Alors, qu'est-ce que c'est que Mario Challenge ? Eh bien, tout simplement, nous allons jouer au Mario Bros, sorti en 1985 sur Super Nintendo. Alors, nous allons y jouer, mais avec des règles assez spéciales. Alors, la toute première règle et la plus importante dans ce Mario Challenge... Désolé pour le bug du son, c'est pas ma faute, c'est l'émulateur. Donc la première règle est tout simplement de ne récupérer aucun power-up. C'est-à-dire de jouer tout le long du jeu avec seulement sa petite taille et ne pas récupérer ni les champignons ni les fleurs. La deuxième règle, c'est que si je récupère par advertance le champignon ou tout autre power-up, je me tue immédiatement. C'est clair et net. Troisième ou deuxième petite règle, c'est tout simplement, je n'ai droit qu'à 5 vies. Vous voyez les 5 vies de base qu'on nous donne ? Et bien je n'ai droit qu'à ça. Donc dans chaque épisode, je vais tâcher d'essayer d'aller le plus loin possible sans power-up et sans récupérer de points de vie. Par exemple, durant cet épisode, je vais essayer d'atteindre le monde 3. Si je l'atteins, bah, j'irai plus loin. Si je ne l'ai pas atteint, j'essaierai de l'atteindre au prochain épisode. Et ainsi de suite jusqu'au 10e épisode. Donc au 10e épisode, je dois atteindre le niveau 6. Si j'atteins pas le niveau 6 avant le 10e épisode, vous aurez le droit de me donner 5 gages parmi ceux que j'ai sélectionnés et que vous m'avez donné durant les commentaires. Par exemple, dans cette commentaire de vidéo-là, vous me donnez des gages. J'en sélectionne 5. Ces 5-là, je les mets dans un sondage. Et là, vous voterez parmi les 5 gages que vous voulez que je fasse. Je sais pas si c'est français que je voulais que je fasse, mais pardonnez-moi si c'est pas français. Donc voilà, pour ce qui est du Mario Challenge, donc ça durera que 10 petits épisodes. Je pense que ça sortira le dimanche pour se détendre. Certains épisodes seront plus longs que d'autres. Donc voilà. Alors, au passage, par exemple, dans le monde, dans cet épisode-là, je vais m'arrêter au monde, exemple, hein, je fais un game over au monde 2-3, exemple. Et bien dans le prochain épisode, je ne reprends pas au monde 2-3, mais je reprends au monde 1-1, tout en essayant de dépasser mon score. Voilà, j'espère que jusque-là, vous avez compris, et puis bah, écoutez, on va commencer cette partie en espérant qu'il va pas y avoir de bug de son durant le jeu, parce que j'ai fait quelques tests tout à l'heure, et certaines fois, il y avait des bugs de son, certaines fois pas, alors j'espère que cette fois-ci, il n'y en aura pas, qu'on entendra le son du jeu. Donc, voilà. Bah, écoutez, hop. Bon, pas de power à récupérer, pour le moment. Allez. Yop, allez, on saute par-dessus. Ça, y a pas grand chose à dire. C'est juste qu'à part un seuil de niveau. Dans mon monde 4-1, je sais que quand j'étais gamine, parce que j'avais ce jeu-là qui est sorti sur Game Boy Color aussi, je l'avais et franchement, le monde 4-1, si j'avais pas le power-up de la fleur et du champignon, eh bien, j'aurais pas réussi. Donc là, je sais pas si je vais y arriver, on va voir. J'espère. Alors, juste petit truc, si par exemple avant l'épisode 10, j'arrive au monde 6, je relèverai le niveau. Par exemple, j'irai au monde 8. Voilà. Mais pour le moment, je dois atteindre le niveau 6 avant l'épisode 10. Voilà. Je trouve ça assez sympa ce petit challenge. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Non, faut pas que je lance la coquille, sinon je vais me la prendre. Je sais comment c'est. Non ! Oh non, mais là, je suis mort bêtement, là. Mais franchement, je suis mort bêtement. Ah, c'est vrai. Pouh, c'était chaud. J'ai failli me prendre et mourir bêtement. Là, j'ai perdu une vie, mais complètement bêtement. Non, je ne pose pas. Quoique... Elle revient pas. Donc ça va. Étant donné que je suis... Bon, allez, hop, on va pas la tuer. Non ! J'allais sauter ! C'est pas du jeu et ça commence bien, cet épisode. Hein. Franchement, ça commence très très fort. Façon de parler, hein, c'est ironique. Merde. Je vais pas me faire avoir. Voilà. Wow. Oh, super. Non!
À cause du mur, à cause du mur, c'est à cause du mur. Et vous croyez, il reste 2 vies. J'ai même pas dépassé le monde 1. C'est incroyable. Ah, cet épisode va vraiment, vraiment être court. Pour ce premier épisode, ça commence très, très bien. Et il faut savoir que je vais pas vous mentir, je me suis un petit peu entraîné et on dirait pas par moment. Voilà. On va attendre un peu. Voilà. Alors le truc à ne pas faire, c'est de monter là-haut, parce que si vous montez, vous ne voyez pas les Goombas arriver, et donc du coup vous foncez dedans et vous mourrez. Je dis ça parce que j'ai fait la bêtise de faire ça. Ah, dépêche-toi, plein de carnivores. Les Goombas qui allaient m'harceler. Ouh là, c'était un truc normalement à pas faire, c'est trop dangereux. Bon là, hop, je vais éviter. Alors oui, petite règle aussi. Vous voyez, il y a des fois, il y a des tuyaux qui amènent directement au monde 6. J'ai pas le droit de les prendre. Je dois vraiment faire niveau par niveau. Je précise, je dois faire niveau par niveau. Bon, ça commence bien. J'ai même pas encore atteint le niveau 3. Niveau... Ah oui, le niveau suivant, ça va. Ah, c'est simple. Même si je suis mort. Il me reste 2 vies. Eh ben, ça va pas être facile d'aller le plus loin possible. Oulala. Ouf. Alors vous avez vu, les Goombas, eux, sont bêtes, ils tombent. Et les Koopas, non. Il n'y en avait qu'un. J'étais persuadé qu'il y en avait 2. Ah, je me disais qu'il y en avait 2. Ouais, des fois ils viennent tous d'un coup et des fois non. Ça dépend. Alors ce Goomba là, il va tomber. Et ce Koopa, bah je suis pas obligée de le tuer. Pas forcément. Attention à ne pas tomber non plus. On va essayer d'y arriver du premier coup. Alors je suis vraiment désolée s'il y a un bug de son, je peux pas faire grand chose. C'est l'émulateur qui est comme ça. Et bah j'ai réussi ce monde là du premier coup sans mourir. C'est classe. C'est classe alors que quand j'étais gamine, je l'ai fait 2 fois, hein. J'ai perdu pas mal de vie. Et plutôt pas mal de power-up. Donc j'avais réussi en première fois mais j'ai perdu pas mal de power-up. Alors là. Ouh, j'ai failli faire la bête là. Ne pas récupérer ce power-up. Ouh là, j'ai fait une bêtise. Hop, allez. Ça va. Voilà. Une petite astuce. Quand vous voyez que Bowser se lève, appuie sur B, ça accélère, Mario court. Du coup, c'est mieux. Dans certains niveaux, il y a besoin que Mario court. Vraiment, c'est très très important. Bon, déjà, le monde 1-4, le monde 1 terminé. On va essayer de... Alors, le monde 2, oulala. Bon, le premier, le monde 2-1, ça va. C'est assez simple. Mais c'est ensuite les niveaux dans l'eau. Alors là, c'est le plus dur. Et là. Oh! Mais j'ai sauté! Mais what? Ah, ça commence bien! Mais non, il est simple, j'ai sauté! C'est pas du jeu! On va essayer d'arriver, voilà. Non! Oh là là là! Ah, j'étais trop haut là! Ah! Bon, bah, ce premier épisode de Mario Challenge commence bien. Non, on ne save pas. Donc, durant. Ah, il se commence bien, il est très 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 court. Bah écoutez, on va, durant le prochain épisode, on va essayer d'atteindre plus loin que le monde 2, hein. Si possible, atteindre le monde 3 au moins déjà. Donc bah voilà, vous avez compris ce concept de ce mariage, j'espère qu'il vous plaira. Pour ce qui est des rythmes de diffusion, ça sortira normalement tous les dimanches. Donc bah voilà. N'hésitez pas à me dire si vous aimez ce concept en mettant un pouce vert. Si vous ne l'aimez pas ce concept, n'hésitez pas à me faire savoir en mettant un pouce rouge, mais en m'expliquant la raison pour laquelle ce concept ne vous plaît pas. Donc bah voilà, sur ce, je vous souhaite un bon week-end, un bon fin de week-end plutôt. Et puis bah je vous dis à bientôt pour le deuxième épisode de Mario Challenge où j'essaierai d'aller plus loin. Allez, sur ce, bye!